Question numéro 1. C'est pas nous à Nance. Une priorité à droite, réponse A. Une priorité ponctuelle, réponse B. Une succession de virages, réponse C. Un premier virage à gauche, réponse D. Ces panneaux sont triangulaires, bordés de rouge. Ils annoncent des dangers. Ce panneau annonce une intersection. Il s'agit d'une priorité ponctuelle. Les usagers venant des autres routes devront me céder le passage. Ce panneau annonce une succession de virages, dont le premier est à gauche. Je circule hors agglomération. L'intersection et la succession de virages se situent donc à 150 mètres environ. Une priorité à droite est annoncée par ce panneau. Bonne réponse, B, C et D. Question numéro 2. Je suis bien placée pour me rendre à Lyon Centre? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais dans la voie centrale immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? La voie où je circule permet d'aller en direction de Genève notamment. Les deux voies à gauche desservent, par exemple, Lyon-Centre. En circulation normale, je dois circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. La voie centrale est la voie la plus à droite qui dessert Lyon-Centre. J'attends qu'elle soit libre pour m'y engager. Bonne réponse, B et D. Question numéro 3. Pour aller en direction de la Ciotat, j'emprunte une autoroute, réponse A. Un itinéraire important, réponse B. Une route nationale, réponse C. Comment connaître la nature de l'axe routier? La couleur des panneaux signale le type de route. Les cartouches au-dessus précisent la nature de la route. La Ciotat est signalée sur un panneau à fond vert. Je vais emprunter un itinéraire important. Le panonceau précise qu'il s'agit de la route départementale numéro 559. Bonne réponse, B. Numéro 4. Je m'arrête. Réponse A. Je passe avec prudence. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. Qu'indique la signalisation? Les panneaux sont temporaires. Ils signalent une zone de travaux. Je risque de rencontrer des ouvriers inattentifs à la circulation ou des engins de chantier en action. Je passe avec prudence. Bonne réponse, B. Question numéro 5. Ce panneau annonce une station de gonflage à la prochaine station-service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique
Qu'indique ce panneau? Une station de gonflage située en dehors d'une station-service et dont l'usage est gratuit. Bonne réponse, B. Bonne réponse, B. Question numéro 6. Je serai prioritaire à plusieurs intersections? Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine intersection? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau, implanté hors agglomération, annonce une intersection à 150 mètres environ. Le symbole à l'intérieur précise le régime de priorité à appliquer à cette intersection. Il signale une priorité ponctuelle. Je serai prioritaire à la prochaine intersection uniquement. Seul ce panneau de route à caractère prioritaire indique que je serai prioritaire à plusieurs intersections. Bonne réponse, B et C. Question numéro 7. En cas d'incendie, une issue de secours permet d'être pris en charge par le secours, réponse A. De se protéger des fumées, réponse B. De toujours aller à l'air libre, réponse C. Les issues de secours permettent en cas d'incendie de se protéger des fumées toxiques et des fortes chaleurs. Il faut donc s'y rendre rapidement en cas de fumée dans le tunnel. Je pourrais ainsi être pris en charge par les secours. Ces issues de secours peuvent mener dans un abri sécurisé, dans l'autre tube du tunnel ou encore à l'air libre. Bonne réponse, A et B. Question numéro 8. À la prochaine intersection, je peux continuer tout droit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque plusieurs voies sont affectées à la direction que je souhaite suivre, je dois toujours utiliser la voie la plus à droite. Les flèches au sol indiquent que ces deux voies permettent de continuer tout droit. Un cycliste est présent sur la voie de droite. Je suis en train de le dépasser. Je suis donc bien placé pour continuer tout droit. La flèche bidirectionnelle dans cette voie indique que, placé dans cette voie, je peux aussi tourner à gauche à la prochaine intersection. Bonne réponse, A et C. Question numéro 9. Je peux rencontrer le panneau? Numéro 1? Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que la route perd son caractère prioritaire à la prochaine intersection. Je serai informé avant la prochaine intersection du régime de priorité qui s'y appliquera. Je peux rencontrer le panneau numéro 2 signalant une priorité à droite. En revanche,
Je ne vais pas rencontrer ce panneau de priorité ponctuelle, puisqu'il annonce la priorité à la prochaine intersection rencontrée. Bonne réponse, B et C. Question numéro 10. La signalisation annonce un danger, réponse A. Une obligation, réponse B. Autorise le dépassement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau triangulaire annonce un danger. Ce symbole indique un danger de nature inconnue. Le panonceau précise la nature de ce danger. Je dois faire particulièrement attention lorsque je vais franchir les joints du pont. Une obligation est annoncée par un panneau rond à fond bleu. Sur cette chaussée à trois voies, deux voies sont affectées à mon sens de circulation. La ligne discontinue autorise le dépassement. Bonne réponse, A et C. Question numéro 11. Le marquage au sol est temporaire, réponse A. Permanent, réponse B. Bonne réponse, A. Question numéro 12. Je passe, réponse A. Ou je m'arrête, réponse B. Que se passe-t-il? J'aborde un passage étroit. La signalisation indique que si un usager est présent en face, je dois lui céder le passage avant de m'engager. Un deux-roues motorisé arrive en face. Je m'arrête. Bonne réponse, B. Question numéro 13. Les panneaux de direction vert indiquent une bretelle d'autoroute, réponse A. Une route nationale, réponse B. Une rocade, réponse C. Un itinéraire important, réponse D. Qu'est-ce qu'un itinéraire important? C'est un axe qui relie deux grandes villes entre elles. Ce type d'axe est signalé par des panneaux de direction à fond vert. Bonne réponse, D. Question numéro 14. Au niveau d'une priorité à droite, tout dépassement est interdit. Réponse A. Le dépassement des deux roues est autorisé. Réponse B. Qu'indique ce panneau? Une priorité à droite. Les usagers venant de droite sont prioritaires. Seuls les deux roues, cyclistes, motards, peuvent être dépassés dans une priorité à droite, à condition que la visibilité vers l'avant soit bonne et qu'aucun usager n'arrive à droite. Bonne réponse, B. Question numéro 15. En tournant à gauche, je cède le passage au véhicule à gauche. Réponse A. Au véhicule arrivant en face. Réponse B.
Je circulerai dans une rue à sens unique, réponse C. À double sens, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le marquage au sol devant le véhicule à gauche indique qu'il doit céder le passage avant de s'engager. Et le fait que ce marquage ne traverse pas toute la voie indique que cette rue est à double sens de circulation. Pour tourner à gauche, je dois traverser la voie des usagers arrivant en face. Je dois donc céder le passage aux usagers pouvant arriver en face. Bonne réponse, B et D. Question numéro 16. Le marquage au sol autorise le dépassement. Dans mon sens de circulation, réponse A. En sens inverse, réponse B. Quelle signalisation autorise le dépassement? Seules les lignes discontinues autorisent le dépassement. La ligne continue interdit le dépassement aux usagers de son côté. De mon côté, elle est discontinue. Elle autorise le dépassement dans mon sens, si toutes les conditions sont réunies pour le faire. Bonne réponse. A. Question numéro 17. Les damiers rouges et blancs indiquent une voie de détresse, réponse A. Une zone d'attente pour les poids lourds lors d'embouteillage, réponse B. Je peux stationner sur ce marquage en cas d'urgence? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce marquage? Une voie de détresse. Elle permet aux usagers privés momentanément de freinage d'utiliser un bac à gravier au bout de la voie pour s'arrêter sans trop de danger. Stationner à cet endroit est trop dangereux. En cas de problème urgent, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonne réponse, A et D. Question numéro 18. Le marquage au sol autorise le dépassement de tous les véhicules? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce marquage au sol? C'est une ligne de dissuasion. Elle autorise le dépassement des véhicules circulant lentement uniquement. Cet usager ne circule pas lentement. Je ne le dépasse pas et je maintiens une distance de sécurité suffisante. Bonne réponse, B et D. Question numéro 19. Dans cette zone, j'accélère, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. Qu'indique ce panneau? Une descente dangereuse. Pour ne pas laisser mon véhicule être emporté par son poids, je ralentis. Je peux utiliser le frein moteur ou la pédale de frein. Bonne réponse,
C. Question numéro 20. Le marquage au sol interdit tout dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Le virage réduit la visibilité vers l'avant. Il y a de nombreuses sorties de propriété et il y a une intersection peu visible à gauche. Je ralentis pour m'arrêter au cas où un usager surgirait. La ligne centrale est une ligne de dissuasion. Elle autorise le dépassement des véhicules circulant lentement. Bonne réponse, B et D. Question numéro 21. En heurtant un piéton à 50 km par heure, ses chances de survie sont d'environ 90%, réponse A. 50%, réponse B. 20%, réponse C. Lorsqu'une voiture heurte un piéton alors qu'elle circulait à 50 km/h, les chances de survie du piéton ne sont que de 20%. En revanche, en diminuant la vitesse du véhicule à 30 km/h, les chances de survie du piéton passent à 90%. Bonne réponse, C. Question numéro 22. Je vais tout droit. Je cède le passage à la voiture blanche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde une intersection et un usager arrive à droite. Une ligne blanche au sol signale un stop. L'usager venant de droite doit s'arrêter à cette ligne avant de céder le passage aux usagers venant de sa gauche et de sa droite. Je suis donc prioritaire. Par mesure de sécurité, je ralentis pour être sûr que cet usager va bien appliquer la règle de priorité. Bonne réponse, B et C. Question numéro 23. Je circule à 90 km par heure. Je freine? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive discontinue à gauche indique que je circule sur une route à double sens de circulation. La vitesse est donc limitée à 90 km/h. Ce panneau de limitation de vitesse le confirme. Cet autre panneau indique que je vais rencontrer un radar automatique. Si je passe près de lui en dépassant la limitation de vitesse de 90 km/h, je serai flashé et recevrai dans quelques jours un avis de contravention pour excès de vitesse. Circulant à 90 km/h, il n'y a aucune raison pour freiner ou même ralentir. Bonne réponse, B et D. Question numéro 24.
Dans un embouteillage, un véhicule. Consomme-moi? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pollue plus? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les embouteillages engendrent une très grande consommation de carburant. La consommation d'un véhicule peut doubler et atteindre près de 16 litres au 100 km pour un véhicule de gamme moyenne. Le volume de polluants rejetés est alors fortement augmenté. Bonne réponse, B et C. Question numéro 25. Je peux circuler en feu de brouillard? Avant? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Arrière? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il neige. Je dois utiliser les feux de croisement pour être mieux vu des autres usagers. Les feux de brouillard avant peuvent être utilisés en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie et la nuit sur route étroite et sinueuse. Les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés uniquement en cas de brouillard ou de chute de neige. Je peux donc, en complément des feux de croisement, utiliser les feux de brouillard avant si mon véhicule en est équipé. Je peux en plus utiliser les feux de brouillard arrière pour être mieux vu des usagers qui me suivent. Bonne réponse, A et C. Question numéro 26. Ces panneaux de danger sont temporaires, réponse A. Permanents, réponse B. Comment reconnaître les panneaux temporaires? La majorité est à fond jaune et est placée sur chevalet ou piquet mobile. Ces panneaux sont temporaires. Le symbole à l'intérieur précise que le danger est la présence de travaux. Je ralentis. Bonne réponse, A. Question numéro 27. La limitation de vitesse concerne les véhicules transportant des marchandises. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation ? Le panneau du haut signale que l'accès est interdit aux véhicules de transport de marchandises. Le panneau du bas limite la vitesse à 70 km/h sur cette voie. La limitation concerne tous les usagers qui accèdent à cette voie. Bonne réponse, B. Question numéro 28. La descente commence à 600 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est dangereuse uniquement pour les véhicules lourds. Réponse C. Pour tous les usagers. Réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau triangulaire signale une descente dangereuse de 5%, ce qui signifie que je vais descendre de 5 mètres tous les 100 mètres environ.
Le panonceau qui le complète précise que la descente s'étend sur 600 mètres. Cette pente est dangereuse pour tous les véhicules, mais davantage pour les poids lourds à cause de leur masse importante. Bonne réponse, B et D. Question numéro 29. La circulation est à double sens. Immédiatement, réponse A. À 50 mètres, réponse B. La limitation à 30 km par heure s'applique dans cette rue seulement, réponse C. Dans plusieurs rues, réponse D. Qu'indique la signalisation? Ce panneau de danger est l'exception de tous les panneaux de danger. En effet, c'est le seul qui prend effet immédiatement. Il signale que la route est à double sens à partir du panneau. Le marquage au sol indique que la vitesse est limitée à 30 km/h dans cette zone. Une zone est un ensemble de plusieurs rues. Bonne réponse, A et D. Question numéro 30. J'entre sur une autoroute, réponse A. Une route à accès réglementé, réponse B. Je vais rencontrer des automobilistes uniquement, réponse C. Des véhicules pouvant circuler à allure soutenue, réponse D. Qu'indiquent ces panneaux? Celui du haut signale une route à accès réglementé. L'autre signale une fin d'autoroute. Sur ces deux types de routes, seuls les usagers pouvant circuler à allure soutenue peuvent circuler. Bonne réponse, B et D. Question numéro 31. Je dépasse en une seule manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive continue et le terre-plein central indiquent que je circule sur une route à chaussée séparée. La voie de gauche est fermée à la circulation. Je peux dépasser ces usagers en une seule manœuvre en restant sur la voie centrale. Bonne réponse. A. Question numéro 32. Je peux m'arrêter au niveau de la deuxième ligne? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aborde une intersection réglée par des feux tricolores. Les feux sont rouges et imposent l'arrêt. Les lignes au sol sont les lignes d'effet des feux. L'espace entre les deux lignes est un sas pour cyclistes. Il permet aux cyclistes de s'arrêter sans être gênés par les voitures. Je ne dois pas m'arrêter dans ce sas. Je m'arrête au niveau de la première ligne d'effet. Bonne réponse, B. Question numéro 33. Je ne suis pas abonné. Je m'arrête immédiatement, réponse A. Je change de voie, réponse B. Je reste dans cette voie, réponse C. Je peux prendre un ticket, réponse D.
J'arrive à une gare de péage. La voie que j'utilise est signalée par ces feux. Le symbole T, orange, indique que les usagers abonnés peuvent utiliser cette voie. La flèche verte indique que cette voie est ouverte à tous les usagers. À cette gare de péage, je dois prendre un ticket. Je reste dans cette voie pour prendre le ticket. Bonne réponse, C et D. Question numéro 34. Je dois circuler en feu. De croisement, réponse A. De route, réponse B. En complément, je peux allumer les feux. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. Je circule sur une route étroite et sinueuse, non éclairée. Je dois circuler en feu de route. En complément des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard avant si mon véhicule en est équipé. Les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Bonne réponse, B et C. Question numéro 35. L'usager à droite est bien placé pour stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour s'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule à droite est placé sur le trottoir. Le trottoir est une zone réservée à la circulation des piétons. Les véhicules ne doivent ni y stationner, ni s'y arrêter. Cet usager n'est donc pas bien placé. Bonne réponse, B et D. Question numéro 36. La limitation de vitesse prend effet à partir du panneau, réponse A. À partir du virage, réponse B. Me concerne si je vais en direction de Fréjus, réponse C. Toulon, réponse D. Quand prennent effet les panneaux d'interdiction? Immédiatement. Si un panonceau de distance complète l'interdiction, elle s'applique à la distance indiquée. Ce panneau comporte une flèche en biais vers la droite. Si je continue vers Toulon, je respecte cette limitation à 90 km/h. Bonne réponse, A et D. Question numéro 37. Une voie réservée est délimitée par des traits larges et serrés, réponse A. Un marquage bleu, réponse B. Une ligne large et continue, réponse C. À quoi sert une voie réservée? Implantée en ville, elle sécurise et facilite la circulation des bus et des vélos. Sur voie rapide, elle sécurise la circulation des véhicules lents, maximum 60 km/h. Elle est délimitée par une ligne aux traits épais et rapprochés. Il m'est interdit d'y circuler, de m'y arrêter ou d'y stationner. Bonne réponse. Ah. Question numéro 38. L'usage devant moi est prioritaire? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je m'insère immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment reconnaître les véhicules prioritaires? Ils utilisent leurs gyrophares bleus et leurs sirènes deux tons. L'usager devant moi a activé ce dispositif. Il est prioritaire par rapport aux autres usagers. Il est interdit de circuler sur un zèbre. Bonne réponse, A et D. Question numéro 39. Le gendarme indique au véhicule arrivant face à lui de ralentir, réponse A. De s'arrêter, réponse B. Pour quelle raison un agent peut-il faire face à un usager? Pour modifier les règles en place. Face aux usagers, bras levés, l'agent indique qu'ils doivent s'arrêter. Bonne réponse, B. Question numéro 40. Ce feu concerne exclusivement les bus. Réponse A. Les bus et les véhicules d'intérêt général prioritaire. Réponse B. Quels sont les véhicules d'intérêt général prioritaire? Il s'agit des véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, du SAMU, du SMUR ou encore des transports de détenus. Ces usagers peuvent emprunter les voies réservées s'ils sont en intervention, dispositifs sonores et lumineux bleus allumés. Certains feux s'adressent uniquement à certaines catégories d'usagers. Si les véhicules d'intérêt général prioritaire sont en action, ils peuvent tout faire pour circuler le plus facilement possible. Je dois être vigilant et leur céder le passage. Bonne réponse, B.